Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Riga de l'Afrique. Les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de Mamou où ça chauffe un peu entre les forces de l'ordre et des assaillants. C'est un véhicule transportant 35 lingots d'or qui a été attaqué dans la nuit du dimanche à ce lundi 6 mars dans le village de Sokotoro relevant de la sous-préfecture de Saramou Salaï. Le chauffeur du véhicule et un assaillant ont été exterminés sur les lieux. Contacté le procureur Souleymane Kouyaté, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou apporte des précisions. L'attaque s'est produite aux environs de 4h du matin. Le véhicule en provenance de Sigiri transportait 35 lingots d'or. Les assaillants avaient utilisé des barres de fer avec des dents pointues qu'ils avaient placées sur la route pour immobiliser le véhicule. Lorsque le véhicule est passé dessus, trois pneus se sont crevés. C'est ainsi que deux personnes qui étaient en moto ont surgi en faisant des tirs de sommation. Le gendarme, un adjudant-chef qui convoyait le colis, a répliqué et atteint l'un des assaillants au front. Entre-temps, le second assaillant s'est retranché dans la brousse. Salif Camara, le chauffeur du véhicule, est descendu. C'est ainsi qu'il a été mortellement atteint par la balle. Et bien les amis, c'est ici pour enfin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis, connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien.